Attention, Barracuda 56 pour Dundee 33 qui t'appelle depuis la rocade de Libourne. Soit t'es bouché, soit t'es bouché. Choisis. Ok, Barracuda 56, les 73 à toi de la part de Dundee 33. Là, je suis, j'avance tout doucement là sur la rocade de Libourne. Voilà, j'ai été appelé là tout à l'heure à moins 20 pour partir au point à moins le quart, à Chi, alors que normalement j'étais prévu d'embaucher plus tard que ça. Comme quoi, d'une minute à l'autre, tout change, à Chi. T'es du côté Sainte-Eulalie? Ok, d'accord. Ça a du mal à rouler là de mon côté. Il n'y a pourtant pas grand monde sur la route. Mais ils s'avancent pas, les cons. Ils ont dû perdre la BOE. Ils ont dû oublier où était la pédale d'accélérateur. Ok, oui, voilà, je suis sur la, en plein sur le pont de la bretelle d'accès vers la nationale 89. Ok, oui, les 73 à toi, meilleurs vœux, bonne santé, plein de QSO et tout, et tout, et tout. Voilà, là, ça passe bien, là, en ce moment-là, maintenant, là. Putain, et surtout que là, là, j'ai un petit peu, on va dire, le chronomètre en main. Il faut que j'arrive avant que le client s'en aille. Ah chi. Bon ben là c'est pas gagné vu comment ça roule. Et j'ai pourtant pas le choix. Il va falloir que je sais pas. Je vais peut-être mettre des ailes sur la voiture pour aller plus vite. C'est bon, là je suis en plein là sur la nationale 89. Bon, ça va, là c'est. J'arrive à rouler quand même. Voilà, là j'ai fait un bon petit 110. Là c'est bon, c'est correct. Que les OM apprennent pour les QSO locaux à redescendre sur les 40 canaux. Après tout, les 40 canaux, c'est fait pour faire du local. Et c'est vrai que les OM, ils ont pas mal oublié ça. Ah, chi, trois coups. Putain, ça va faire partie des nouvelles résolutions là, pour 2019. Redescendre vers les 40 canaux pour du QSO local. Voilà, tout simplement. C'est pas compliqué, il suffit de tourner le bouton du bon côté. Ok. Ah, chi, trois coups. Ok, Barracuda 56, les 73 à toi. Bonne route. Oh, de suite, ah, comment il est mauvaise langue. Ouais, mais bon, avec ton poste, la preuve que là ça passe, parce que là je sais pas à quelle distance on est, mais bon, il y a quand même un bout là entre nous deux là. Puisque là j'arrive à la sortie 7, ils ont ouvert là sur National 89, et toi t'es quand même de l'autre côté du département là, en montant vers le nord, ou quelque part par là, ou pas loin dans les environs. Donc là, j'ai eu un problème d'antenne. Donc là, la nouvelle année, elle commence super bien en fait. Vas-y, je suis en train
train de faire une petite vidéo. Raconte-moi là, les problèmes que tu as eu là avec le matériel. J'ai branché mon RTI, mais après là il voulait plus se rallumer. Mais bon, comme mon réparateur il m'a dit, c'est peut-être les condensateurs vu qu'ils vieillissent mal. Et comme il les a pas regardés, donc voilà quoi. Et du coup j'ai changé mon antenne de. Enfin j'ai tout réinstallé pour mettre mon RTI, mon 9009 à la place du RTI en fait. Donc j'ai tout réinstallé, repassé le câble, remis l'antenne. Et patatras, tout déraille. Et que du bonheur. Merci. Les choses seront autrement, tu t'ennuierais. Tu sais comment tu es. S'il n'y a pas de. Si tout va bien, ça devient monotone. Hachis trois coups. Et pour le RCI, tiens, rappelle-toi ce que à chaque fois, là, ce que même si je ne connais rien dans l'électronique, ce que je dis à chaque fois sur Internet. Les composants qui commencent à vieillir et tout, ceci, cela, au niveau des condensateurs, ça part en sucette. Et ben tiens, voilà, une fois de plus la preuve. Voilà, comme quoi, même si on apprécie le vieux matériel, c'est pour le côté nostalgie, ceci, cela, il y a tout, il faut avoir la caisse à outils avec soi. Chie trois coups. Parce que même si, suivant là où je passe, là sur la route, j'ai un peu de QRM par moment, tu m'arrives quand même assez bien. Hein. Je sais pas si tu connais, là, j'arrive dans la descente vers le village, la poste, là, sur la nationale 89. Ah oui, voilà, j'arrive à l'aire de Meillac. Juste avant la sortie 42B, là. Ok, d'accord, putain, j'ai un pick-up devant moi. Je lui piquerai bien, ça. J'aime bien, moi, les pick-up. Je sais pas, c'est le gabarit du véhicule qui doit faire ça. J'ai toujours été attiré par ces bouches. C'est un quoi? Putain, mais c'est même pas un truc américain. Ah non, c'est un Nissan. Ouais, il est pas mal, quand même. Putain, oui, c'est un morceau, quand même. Mais oui, tu m'étonnes, c'est considéré comme utilitaire, donc au niveau du contrôle technique, forcément, c'est beaucoup plus fréquent, quoi. Je discutais il y a quelques temps avec YL, elle me disait que non, c'est pareil que les autres véhicules. Je lui dis, ok, si tu veux, t'as raison, hachis. Ouais, faut pas lui dire que c'est ça, alors, hein. On va pas la contrarier, hachis. J'espère simplement pour moi qu'elle n'écoutera pas la vidéo, c'est surtout ça, quoi. Bon, en tout cas, j'étais parti, toi, pour faire 19h, 6h du matin. Le résultat, je me retrouve là ce soir à faire 17h, 23h. Allez, bim! Ah ouais, c'est pour ça que tu es en fréquence, là. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est chiant, les horaires, quand on change les horaires, tout bout de champ, là. Bon, c'est pareil, là. Normalement, j'ai fait un client, là, tout à l'heure. J'ai été chargé chez un client, j'ai fait 3 ramasses et normalement j'aurais dû faire que 2. Et comme pas personne m'a prévenu, bah voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais, ben toi, comme je disais tout à l'heure, ben, j'ai été appelé là tout à l'heure à moins 20 pour partir à moins 15. Rien n'est prêt. Oh putain, cette cavalcade. Je l'ai un petit peu maudit là, le patron au téléphone au passage. Et je dis comme ça, là, mais vous vous rendez compte que là, ben, il faut que je parte 1h15 avant là. Donc là, faut pas que je traîne, faut que je cours même. Et il m'a répondu, oui, c'est ça. Bon, d'accord, je suis trois coups. Comme pour faire exprès, il n'y a plus de gilets jaunes sur ta route. Alors, je les ai vus à Libourne. Ils sont entre le magasin Carrefour et le rond-point pour attraper ensuite la rocade de Libourne. Ouais,
Bah moi j'en ai pas vu. J'ai vu personne. Donc j'ai pas pu arrêter pour un café, un café. Ah ouais putain ça déconne là. Putain mais c'est chiant ça que t'es pas pu prendre ton café. Oh t'as y a pas si longtemps que ça, j'ai participé là avec eux là, justement là, du côté de chez moi à leur manifestation, à notre, parce que c'est on est tous concernés, à cette manifestation là des Gilets jaunes. Et il y a un centre, à côté de chez moi, il y a un centre Leclerc, puis il y avait les Gilets jaunes qui étaient là en train de distribuer des tracts. J'ai posé la voiture en plein milieu, en plein rond-point, et allez hop, et puis on a discuté comme ça pendant 10 minutes, un quart d'heure. J'avais un bouchon derrière moi, oh secours. Alors par contre, ce qui m'a étonné, alors là j'étais bleu, personne n'a klaxonné. Putain, mais en principe, dès que ça ralentit un petit peu, tout le monde essaie de pousser, de klaxonner, de gueuler, bref. Là, rien. Putain, j'étais bleu, je me suis dit, putain, mais ça n'a pas valu le coup alors que je bloque. Si c'est pas pour entendre des gens râler, quoi. Hop, on dirait que j'étais un peu perdu, là. Ouais, je suis en train de te perdre là, on dirait. Si tu m'entends, je suis en train d'arriver là, c'est la sortie 26. Voilà, pour attraper la rocade de Bordeaux. Là. Remonter après direction du pont d'Aquitaine pour sortir avant direction Bassins et puis je serai plus très loin. Quoi. Voilà. Donc je sais pas si tu m'entends encore. Ok, j'ai entendu au moment où tu as relâché le micro, la grâce Roger Beep. Et là, je te perds, là, je suis complètement perdu. Hein. Donc là, comme ça ne va pas s'arranger, vu que tu t'éloignes de moi, hachi. Mais on se croirait en couple pour parler comme ça. Hachi, trois coups. Je vais t'envoyer les balles sur 1351, toi. La bonne roulade, bonne année. Bonne année, bonne santé, meilleurs voeux, plein de QSO. Et tout. Et je te dis à la prochaine sur les ondes ou directement sur le forum La Planète Sibi Francophone. Merci pour ce petit QSO, à plus. Ouais, j'ai entendu la très QRP, là, le Roger Beep. Alors, je suis en train d'attraper la bretelle d'accès là, vers le pont d'Aquitaine pour m'échapper juste avant. Là, je vais prendre un petit peu de hauteur. Alors. Attends, ça avance tout doucement. Voilà. Bon, voilà, je suis sur le pont là, qui enjambe la voie rapide pont d'Aquitaine-Paris. Voilà, je t'envoie les 20 sur 1351 à toi. Bonne route, meilleurs vœux, bonne santé et à plus sur le forum. Ok pour le Roger Beep. Merci, bye bye.